Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous faire 5 coiffures donc, que je fais là en ce moment, que j'aime trop faire parce qu'il fait chaud. Donc voilà, vu que j'ai les cheveux assez courts, mais ça va sur tout type de cheveux. Hein, mais voilà, parce qu'on me l'a pas mal demandé, donc je vous fais cette vidéo. C'est parti! Donc pour commencer, je vais faire une coiffure que je fais depuis pas longtemps mais que j'aime trop et je trouve qu'il va bien. Donc c'est que je prends mes cheveux de devant . J'espère que ça allait bien voir. Voilà, je prends bien mes cheveux que de devant hein. Je vais me tourner comme ça, vous verrez plus. Je prends mes cheveux donc comme ça et je viens vraiment plaquer devant pour bien les ramener derrière. Je suis longue à faire une coiffure. Donc voilà ce que ça donne. Moi franchement, et je vais regarder en même temps que vous sur mon téléphone ce que ça fait, histoire que je vous montre pas n'importe quoi. Donc voilà. Ouais franchement ça fait bien. Donc voilà, souvent moi je rapporte, voilà, mes cheveux comme ça. Je trouve que ça fait le visage dégagé et genre j'aime trop. Je trouve que c'est sympa, c'est pas compliqué à faire. Et je trouve que ça fait vraiment... Bah après, là j'ai les cheveux. Ah oui, alors on m'a demandé aussi. Là j'ai les cheveux bouclés, mais c'est mes vrais cheveux bouclés. Je ne les boucle pas. J'ai les cheveux naturels bouclés, comme ça. Voilà. Bon, même là s'ils sont un tout petit peu abîmés. C'est mes cheveux naturels bouclés comme ça. Donc voilà, moi je trouve. Après, vous pouvez mettre des petites mèches là qui dépassent. Moi je laisse comme ça parce que l'été ça me dégage. J'aime pas avoir les cheveux dans les yeux l'été. Bon. Fini blabla, on passe à la deuxième. Pour la deuxième, c'est que je viens prendre un peu plus de cheveux. Bon, je vais en prendre non plus. Hein. Et c'est que tout simplement, je vais venir faire un espèce de machin là, derrière. Juste histoire que ça fasse. Joli. Alors là, j'ai peut-être mis trop là. Oh, regardez. Peut-être mis trop de... Non, pas bien. Voilà. Donc, je le monte un peu. Histoire que... Voilà. Donc, voilà. Je fais juste un petit chignon derrière, comme ça. Et si vous avez une robe ou même n'importe quoi, je trouve que ça fait bien comme... Voilà, ça fait ça. Donc franchement, moi j'aime trop faire cette coiffure là parce que je trouve que ça fait bien. Donc après il y a une autre... C'est une catastrophe ces cheveux bouclés. Après il y a une autre hein, que je vais vous faire tout de suite, immédiatement. C'est que je prends tous mes cheveux. Je viens faire ça. Moi j'ai une drôle de manière de faire mes chignons. Voilà. Est-ce que ça fait bien? Je n'en sais rien. Nous allons voir ça immédiatement. Oui. Après moi je laisse souvent quelques petites mèches dépasser. Si ces mèches veulent bien venir, merci. Bon, on va faire tout ça. Mais voilà. Voilà, donc ça, franchement j'aime trop, franchement cette coiffure, je l'aime trop. Donc je vous dis, hein, ça va pour tout le monde, hein. Je pense que vous avez déjà vu ces coiffures, mais on ne sait jamais. Donc voilà, pour la troisième coiffure. Ensuite, de 4, moi ce que j'aime bien faire, alors là c'est une coiffure qui fait vraiment plus chic on va dire. C'est que je prends tous mes cheveux
Enfin, non, pas tout du coup. Je prends, s'il veut bien, je prends mes cheveux comme ça. Oh, j'ai réfléchi. Je viens les mettre là, vraiment sur le côté. Je viens attacher. Et voilà, et moi je trouve. Alors, bien sûr, avec les cheveux bouclés. Oui, voilà. Moi je trouve ça fait trop joli, genre avec une belle robe, ça fait tout de suite quelque chose quoi, enfin cette coiffure, parce que c'est enfin après pour les cheveux lisses ça rendra peut-être pas pareil, mais pour les cheveux bouclés moi je sais que j'adore me faire cette coiffure, ça fait du volume, ça fait bah ça fait cool quoi, ça fait sympa. Donc voilà. Et de 5, mes cheveux, merci. Et de 5, bah, c'est ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien faire une queue de cheval, mais pas trop haute, parce que comme ça, après, vous allez voir, je laisse du volume. Voilà. Je fais une queue de cheval pas trop haute. Voilà. Et après, je viens ramener. Je vois pas ce que je suis en train de faire. C'est un désastre. Depuis tout à l'heure, ça rend bien. J'ai de la chance. D'habitude, je sais même quoi faire. Comme ça. Voilà. Non, mais là, ça prend mal. Bon, bref. Ah, voilà. Donc après, je viens faire tomber quelques petites mèches. Si ça veut bien. Désolée, hein, je prends mon portable parce que il n'est rien. Voilà. Et ben franchement, une queue de cheval, non, pas trop haute comme ça. Bon là je l'ai fait vraiment à l'arrache, hein. Mais pas trop haute avec un peu de volume comme ça. Et ben franchement, ça fait son truc. Donc voilà, je vous ai montré 5 coiffures. Donc c'est 5 coiffures hein, que moi j'aime bien faire. Après. Chacun est libre d'inventer ce qu'il veut. Mais c'est ça une coiffure que moi j'aime trop faire. Puis ça change que d'avoir tout le temps les cheveux détachés. Puis ça fait un peu... Voilà. Donc en espérant que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouvent en barre d'infos. Puis bah, n'hésitez pas à continuer à vous abonner. Puis bah, moi je vous fais des gros bisous et à très vite.